Vous êtes ici. Du moins, est-ce ce que prétendent les points rouges accolés sur les plans des villes affichés dans les rues ou dans les plans des locaux accueillant du public censés faciliter l'orientation des voyageurs. Vous êtes ici ? Voir. Vous êtes d'ici ? C'est ce que claironnent les turiféraires de la racine, les apôtres des sources, les chantres des origines, désireux d'assigner à un lieu l'orientation de ses habitants. Vous êtes d'ici ? Voir. Nous sommes ici. Nous sommes tous encore ici. À cette assertion-là, nous pouvons accorder quelques crédits ou la risquer en étendard pour donner un contour crédible à nos existences, fût-ce le temps d'une conversation retrouvée, et pascalien jusqu'au bout des ongles, vérifier un instant que personne n'a d'assurance hors la foi s'il veille ou s'il dort. Vous êtes ici. C'est le titre d'un livre que je n'écrirai sans doute pas. Eh bien, soit. Vous êtes ici. Nous sommes ici. Je suis ici. Et je peux même être ici. Et je peux même être d'ici, sans que le monde s'enferre aux horizons étroits où on le tient parfois. Je suis ici. Et dans la lumière, le vent, les pierres, le sable et les odeurs d'ici. Je tiens le monde m'appartient, et tout voyage est inutile. Toute étrangeté annulée de n'être rien que ma propre étrangeté. Le monde sans revers et sans gloire, mais le monde. Mathieu Riboulet et moi avions un rituel. Nous terminions nos communes interventions publiques par une lecture, par la lecture d'un chef-d'œuvre assez incontournable de la littérature. Et nous avons pensé, Serge et moi, qu'il fallait ce soir, non pas clore cette lecture, mais la commencer avec ce chef-d'œuvre incontournable. Près du bois, il y a un jardin. Dans ce jardin, il y a une maison, c'est la maison de Poulrousse. Dans la cuisine et dans la chambre, tout est propre et bien rangé. Poulrousse est une bonne ménagère, pas un grain de poussière sur les meubles. Des fleurs dans les vases et aux fenêtres de jolis rideaux bien repassés. C'est un plaisir d'aller chez elle. Son amie la tourterelle vient la voir tous les jours. Toc, toc, toc. Elle frappe doucement à la porte. Les deux amis s'embrassent. Ce sont des... côte, 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 côte. Et des oukourou, oukourou, à n'en plus finir. Elles ont beaucoup de choses à se dire. Elles s'assoient l'une en face de l'autre. Elles boivent un tout petit verre de vin sucré, croquent des gâteaux secs. Elles chantent et jouent au domino. Elles travaillent en bavardant, la tourterelle tricote. Poulrousse aime mieux coudre ou raccommoder. Du reste, elle a toujours dans sa poche une aiguille tout enfilée, un dé et des ciseaux. Et elle est toujours prête à rendre service aux uns ou aux autres, en raccommodant un accroc ici ou là. Aussi, tout le monde dit du bien d'elle. Et le renard, qui dresse ses oreilles pointues à tous les vents, entend un jour... Quelle bonne petite poule, cette Poulrousse! Et comme elle est belle et grassouillette, toute grassouillette. Grassouillette, se dit le renard.
Aïe, 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 toute grassouillette. L'eau lui vient à la bouche et il court tout droit chez lui. Il entre en dansant et en chantant. Grassouillette, grassouillette, elle est toute grassouillette. Mais que t'arrive-t-il donc ? Demande la renarde. Tu es fou ? Tralala, il y a une poule rousse près du bois, une poule comme il faut et grasse à point. Je vais l'attraper et tout de suite, vite, donne-moi un sac. Prépare la marmite, fais bouillir de l'eau, nous allons la faire cuire et la manger, cette poule rousse. Quel renard tu es ! Quel amour de renard ! S'écrie la renarde toute joyeuse et elle lui tend le sac. Le renard file comme le vent. Il voit la maison de poule rousse, s'approche doucement, se cache derrière un arbre. Au même moment, la porte s'ouvre. Cote, cote, cote. Au revoir, chère tourterelle, à demain. À demain, ma poule rousse, au revoir. La tourterelle s'envole. Poule rousse va chercher du bois au bûcher. Alors, oups! Le renard saute dans la cuisine sans faire de bruit et se cache derrière la porte. Poule rousse prend du bois et rentre tranquillement dans sa maison. Mais, ah ! Le renard l'attrape et la fourre dans son sac si vite que Poule rousse n'a pas le temps d'ouvrir le bec. Je te tiens, ma belle. Le renard noue le sac, le jette sur son épaule et ça va, et s'en va en sifflant. Poule rousse est tout étourdie, elle étouffe, elle se débat dans le sac, elle lance un... Côte, côte. Plein d'effroi. Mais qui l'entendra ? Qui l'entendra ? La tourterelle. Elle est là, tout près, sur une branche de pommier. Elle comprend que le renard emporte Poule rousse pour la manger. Son cœur bat très fort. Ses ailes tremblent. Elle a du mal à les ouvrir. Enfin, elle s'envole, pousse un petit cri et se pose à quelques pas du renard. Elle volette et sautille en traînant l'aile, comme si elle était blessée. Une tourterelle blessée ? Quelle chance ! Attends, ma petite, il y a encore une place pour toi dans la marmite. Le renard pose le sac par terre et court après la tourterelle. Il croit l'attraper, hop, elle saute, et se pose quelques pas plus loin. Hop, hop, et tout en sautillant, elle chante « Oukourou, oukourou !» Cela veut dire « Courage, poule rousse, sauve-toi ! Vite, vite !» Poule rousse prend ses ciseaux dans sa poche. Crac, crac. Elle coupe la toile. Et pfiou, la voilà libre. Puis elle pousse une grosse pierre dans le sac et le recoue en un clin d'œil. Remet dans sa poche son aiguille tout enfilée, son dé, ses ciseaux et court, court, court vers sa maison. Le renard court aussi. Il est très loin, tout essoufflé. Nom d'un rat, il faut que je l'attrape, cette sale bête. Là, cette fois, ça y est. Rien. La tourterelle s'envole juste assez haut pour voir Poule rousse entrer dans sa maison. Alors, rassurée, elle s'envole pour de bon, haut, très haut. Le renard reste bouche bée et furieux revient vers le sac qu'il remet sur son épaule en grognant. Au moins, celle qui est là-dedans ne se sauvera pas. Puis il rentre chez lui bien fatigué. Le couvert est mis. Et l'eau bout dans la marmite. L'as-tu attrapé ? Demande la renarde en se jetant à son cou. Si je l'ai attrapé, tiens, vois comme elle est lourde. La renarde soupèse le sac. Quel déjeuner nous allons faire ! Ils s'approchent tous les deux de la marmite, ouvrent le sac et le secouent au-dessus de l'eau qui bout. La pierre tombe. L'eau bouillante jaillit sur eux et les brûle si fort qu'ils se sauvent en hurlant dans les bois. Jamais ils ne sont revenus. Et depuis ce jour, Poule rousse et la tourterelle ne se quittent plus. Elles vivent ensemble dans la petite maison de Poule rousse. Elles sont très heureuses. Les textes que vous allez entendre maintenant ont été écrits par Mathieu, soit pour des revues, soit pour des interventions publiques ou pour un spectacle chorégraphique.
jeté dehors. Je me suis endormi dans un souffle et j'ai entendu ce froissement de tissu comme un vêtement que l'on quitte tombant au sol. J'ai passé la nuit à courir après moi, à tenter de rentrer dans ce souffle perdu aux abords du sommeil. Et comme un souffle encore, mais hors de moi cette fois, le froissement de l'étoffe formant un son bruissant, un paravent de rythme et sortilège tressé. J'ai lentement pensé comme on s'étire, comme on s'égare, aux nappes damassées de ma tente dont la lourdeur faisait de petits affaissements secs sur le bois ciré de sa table de salle à manger. Je me suis dit, voilà, c'est le bruit d'un damas chutant dans la douceur, c'est la petite musique de ma nuit, c'est la vie des femmes qui lentement s'effritent aux portes des armoires. Chaque mois, ma tante achetait une nouvelle nappe, de nouvelles serviettes de bain, quelques chemins de table ou parures de lit. C'était une femme d'ordre, de blancheur, éprise de beauté malgré l'adversité. J'ai hérité de centaines de pièces plus subtiles les unes que les autres, l'artisanat du silence et des regrets. Il y a tant à faire dans la maison, je m'y perds. J'aurais pu y rester, m'enfouir dans la tiédeur des draps, mais il faut bien aller dehors où l'on s'écorche, où l'on s'essouffle, sous peine de tourner fou, paraît-il, comme sont folles les femmes errant de cellier en remise, d'avoir jeté au monde leurs fils, que les pères sous leurs yeux chiffonnent et font rouler sur les pavés disjoints des cours et des ruelles. J'ai 5 ans. On m'a jeté dans la cour d'une école sans prêter attention à l'expression désordonnée de mes vives réticences. C'est que je ne sais trop à qui en faire part, ni surtout en quels termes. Les années qui ont suivi auront été un lent, très lent apprentissage de l'expression de ces réticences initiales. Pendant 10 ans, dans les cours des écoles, je me suis écorché coudes et genoux et j'ai cherché le souffle que la peur me coupait pour le donner aux apprentis caïdes à 2 balles qui faisaient régner là la ruse et les combines. Ensuite, j'ai grandi, je suppose. Puisque je suis ici, il faut sans doute que je sois passé là. Des photos me montrent à 10 ans, bien obligé de les croire, même si ce sont de faux témoins. De cet âge, je garde le souvenir vague, déplaisant, d'un isolement cruel et du souffle qui manque. Même si je ne sais pas encore que nous n'avons de souffle que pour nous essouffler, je le sens. Dans la cour, sous mes yeux, les enfants jouent, se tyrannisent, s'exécutent froidement, la joie qu'ils mettent en pâture à leurs parents aveugles me tétanise. Chaque soir, je m'installe dans la salle à manger de ma tante pour penser à des choses diverses et imprévues. J'ai tant à faire. Je reprends mon souffle. Je me laisse tomber sur une chaise et je bâille. En bâillant, je reprends le souffle que j'avais laissé filer bêtement, parfois dès le réveil, après lequel j'avais couru au long du jour, en vain. Ah ! Trouver quelque chose à respirer qui ne soit pas de l'air vicié, qui donnerait forme humaine à ce corps jeté sur cette chaise, qu'un peu de pensée se déploie dans mes poumons, anime la mécanique muette, affalée dans son coin. Tout à trac, je m'avise dans cette chaise où j'ai jeté mes os, du silence insensé par quoi tout commence. Il faut dire qu'il y a de quoi être sidéré. C'est en réalité la seule fois où l'on prend son souffle. Tout intérêt à ne pas rater son coup. Ensuite, on ne fera rien d'autre que le reprendre. Mais à peine l'a-t-on repris qu'on le perd et la comédie est partie pour un jour, pour un an, pour un siècle. C'est à ce genre de choses que je pense. Vous voyez où ça mène ? Ça mène au corps cassé, à la paille détressée de chaises dépareillées, ça mène à perdre haleine, à la pensée froissée, disjointe,
poursuivi par des mots inaudibles et distants où l'on s'enlise hors d'haleine, hors de soi. Je pense à ces douleurs d'enfant dont l'expression reflète la sidération initiale. Un long sanglot hurlé qui peu à peu se fige dans le silence de sa propre stupeur, précisément là où le souffle vient à manquer. Qu'il faut alors un temps infini pour reprendre, pendant lequel la mort pourrait bien arriver qu'on n'en aurait nulle conscience. C'est à ce genre de choses que je pense. Vous voyez où ça mène ? À regretter la tiédeur des draps que les fantômes nous ont tissés. On marche sur les morts que la terre a rappelés à elle, quelle que soit leur forme, en poudre ou bien en os. Mais le temps, oh, le temps qu'il faut pour bien comprendre qu'ils sont souvent la force qui nous manque, le souffle qui nous manque, et la force, oh, la force qu'il faut pour s'en saisir et pour jeter au ciel leur rire et leur mémoire. Et dans la tiédeur des draps, c'est le bruit du damas chutant dessus le bois que j'entends. C'est la voix de ma tante douce comme un vent d'été, à peine audible, parlant pour elle-même, qui ajoute une ligne mélodique à l'entrelac tissé qu'elle déploie, puis empile, empile, et puis déploie. Et sur cette base continue, je sommeille, jeté en vrac, les yeux rivés au cintre, où se perdent les voix, où se pendent les étoffes, où la présence bruisse, qui de fil en aiguille me mènera aux cieux des théâtres, avec mes genoux écorchés et les rancœurs recuites de l'enfance malveillante, malveillée, aux cieux des théâtres d'où nous mirent les morts, avec la tranquille bienveillance inutile qui les agite encore et rit de l'eau paisible qui ne les reflète plus. Ah, se lever enfin, s'étirer, s'emplir d'air et déployer le corps qui nous encombre comme un paravent du désir, de l'amour et des mots. J'ai 15 ans. J'ai 20 ans. Vous voyez où ça mène ? Il y a déjà beau temps que le bruit des tissus ne me protège plus. Les caïds à deux balles désormais me jettent à terre et quand je veux prendre le souffle qu'ils m'ont si bien volé, c'est de sable que j'emplis mes poumons. Alors je roule et la caillasse s'incruste dans les pores de ma peau, le torse empoussiéré je me fige, je ne reprends plus rien, ni souffle, ni pied, je veux que l'on m'oublie, rêver de taffetas, apprivoiser ma peur, apprendre à tomber, convaincre le sol de m'accueillir avec cette bonté discrète qu'il réserve à ceux qu'on jette et qu'il n'engloutit pas de suite. Ô sol, ton attraction terrible, et nos volontés si petites. Jeté dehors a été écrit par Mathieu pour un spectacle chorégraphique qu'il a créé avec Sylvain Prunenec dans le cadre du festival Concordance. La décision des écarlates. Je sais gré à l'histoire familiale d'avoir réglé pour moi, quelque temps avant mon arrivée, la question du voyage. En achetant une maison là où ses pères, grand-mère et arrière-grand-mère avaient vécu, mon père a fixé les repères de la Seine. Il y aurait Paris, d'une part, où travailler, agir, et la Creuse, d'autre part, où réfléchir, apprendre. Je sais maintenant qu'entre ces deux points se déroule l'espace et le temps du seul voyage que j'entreprendrai jamais vraiment. Et, partant, que les autres voyages ne sont pas des voyages, au mieux des déplacements. Je suis donc l'arpenteur de 400 kilomètres de France.
vue sous toutes les lumières, à toutes les heures, toutes les saisons et de tous les points de vue possibles. Malade, bien portant, frère, amoureux, déprimé, petit-fils, exalté, ectoplasmique, fils, fiévreux, orphelin, écrivant ou transi. Et quelle que soit la lumière, l'heure, la saison ou l'état, le ruban de la route s'ouvre devant moi, se referme derrière, emporte en ses replis les secrets de ses travaux, de ses jours, les cris des hommes qui l'abordent. Je salue ce réel immuable qui m'autorise à glisser le long de son échine et je vais me planter là où on m'a appris à me faire suffisamment petit et à laisser filer suffisamment de temps pour que le spectacle du monde consente à quitter ses tentures, ses cintres, ses voilages pour s'offrir à nos yeux. Je sais depuis le commencement que le monde est là, dans certains champs que je parcours depuis 40 ans, mais je n'en ai pris conscience qu'assez tard, comme il en va toujours de ce qui remue sous nos yeux. Longtemps, je me suis donc forcée à accomplir quelques excursions, certaines quelconques, d'autres enchanteresses, qui, cependant, me menaient toutes plus ou moins rapidement à la même conclusion. Que je sois partie puis revenue équivalait strictement à que je sois restée. Emily Dickinson, un froid matin de novembre et de pauvre lumière, est venue confirmer l'intuition. Si elle a pu absorber ainsi l'univers tout entier et le restituer dans le moindre de ses vers avec cette violence inouïe, c'est bien qu'il était là, à Amherst, sous ses pieds. J'aurais dû être plus attentif aux signes avant-coureurs qui s'étaient amoncelés sur mon chemin, mais, tenu par cette espèce de soif inextinguible qui me pousse au livre, j'avais brûlé les étapes, négligé les avertissements, attribué à ceci ce qui ressortissait de cela. Arthur Rimbaud, Émilie Brontë, Flannery O'Connor, tant d'autres. Parfum, ivresse, tranchant des solitudes, violence, éclat de pierre, douceur des sables, des aubes, des mers et des bois, affolement et raison, expérience, temps et calme, tout était là, offert, gisait à mes yeux qui ne savaient pas voir, cherchait toujours ailleurs le tout d'un monde supposé changeant, multiple et dérobé. Or, la terre, est un corps céleste, toujours donné, languissant et bouillonnant d'une présence perpétuelle. C'est nous qui n'y sommes pas, plus souvent qu'à notre tour. Inutile d'aller voir ailleurs, nous n'y serons pas davantage. Il faut rester là où on est et tenter de saisir. Un détour plus récent par le cinéma, art du temps s'il en est, à enfoncer le clou. Ce qui cloche avec les voyages, c'est qu'ils sont pleins d'espace et vides de temps. Le cinéma insuffle le temps dont le voyage nous prive, pour peu, naturellement, qu'un cinéaste soit au travail derrière la caméra, ce qui n'est pas toujours le cas, on le sait. C'est aussi la raison pour laquelle la plupart des documentaires sont si cruellement dépourvus de cette réalité qu'ils sont censés refléter. Ce sont des travaux sans regard. Quand je suis arrivée à Rovaniemi, je n'ai rien découvert de la Finlande et des Finlandais que les films de Koris Maki ne m'aient déjà appris. Et je n'ai nul besoin d'aller ni à Portland, ni en Idaho, pour connaître l'odeur de la terre, là-bas, après la pluie, grâce à Gus Van Sant. Je n'ignore rien de la désolation à la fois pré- et post-industrielle qui assaille les villages de la Chine du Nord-Est et plonge leurs habitants dans une semi-hébétude lunaire, à l'occasion drôlatique, pour ce que nous en dit Jia Zhongke.
rien non plus. De ce détachement désabusé qui jette les femmes à la tête des hommes, à moins que ce ne soit le contraire, et suscite, à Séoul, ces face-à-face cruels et précis, comme rangés des affects sous le regard de Aung San Suu. Et rien, bien sûr, de la poisseuse humidité qui submerge Taipei et engloutit dans ses replis garçons et filles rongés par le silence des films de Tsai Ming-liang. Cette connaissance intense, indiscutable, généreusement délivrée au fil des plans, aucun voyage en Chine, Corée, à Taïwan ne me l'aurait donnée. Parce qu'on a beau changer de lieu, c'est toujours son propre temps qu'on trimballe avec soi. Et rien ne pourra faire que, débarquant à Caracas, Canberra ou Samarcande, je sois, ipso facto, entré dans le temps de leurs habitants. Dans le temps du regard qu'ils posent au plus intime de leur géographie. Car c'est le temps de notre regard, de nos vies, de nos espoirs, amours, sursauts, qui donne au paysage la signification qu'on lui connaît. Elle nous semble si naturelle qu'on oublie de l'interroger et l'on s'étonne qu'un regard étranger soit incapable de la repérer d'emblée. On en est donc réduit, en nous déplaçant ailleurs pour aller constater que nous n'y sommes pas, aux conjectures sur ce temps dans lequel on suppose que se glisse ce qui nous accueille, nous entoure, sur ce qu'il ajoute au regard qu'il pose sur un paysage pour nous vide de sens ou erroné, condamné à rester immobile, sans métamorphose possible, donc en réalité pauvrement nourrissant. Nous ne pouvons tirer que des aperçus sommaires de ces conjectures et quelque chose toujours nous manque, qui nous donnerait le sens de l'endroit où nous sommes, nous permettrait d'y lire ce que ses habitants y lisent. Et même, si on se livre sans retenue aux délices presque abrutissantes de la contemplation, comptant sur notre inertie pour apercevoir un petit bout de temps étranger qui s'offrirait par mégarde, on ne pressent jamais rien de plus que l'émergence des icebergs. Et c'est déjà beaucoup. Ce quelque chose, le cinéma nous l'offre donc parfois. L'espace et le temps d'un plan. C'est le regard d'un autre. Le biais par lequel, enfin, on peut sans trop de peine et sans laisser trop d'illusions en route, se déprendre un peu de soi et même, avec un peu de chance, se retrouver ailleurs. Ma mère, du temps de la splendeur de son bienveillant humour, que faisait doucement rigoler au début des années 70 les massifs pèlerinages entrepris en Inde par la jeune frange assurément oisive et bourgeoise de la population, s'interrogeait à mi-voix. Que trouverait-il donc en arrivant au bord du Gange, qui n'est eu sous les yeux au bord de la Seine en partant ? Rien. Évidemment. La suite l'a prouvé. L'ironie de l'histoire, c'est en effet que rien ne change, qu'on ne se désenglue jamais de ce dans quoi on se trouve empêtré dès le départ, et surtout pas du temps qui nous est imparti. Seule exception notable, peut-être, le temps de l'amour, mais c'est une autre histoire. Et celui de la mort, mais nul n'en rendra jamais compte. Alors, autant rester là où le hasard nous a placés, pour peu que la situation économique le permette. D'autant que le travail ne manque pas et que le risque grandit chaque jour qui passe de ne pouvoir l'effectuer complètement en temps voulu. Reprenant l'habitude des migrations saisonnières de mes aïeuls maçons, peintres et couvreurs, mais en inversant le sens géographique, économique et symbolique, je viens, à intervalles réguliers, vérifier dans ce pays perdu et solitaire, la Creuse, que le monde est toujours là, et il l'est invariablement. Le grand champ d'un peu plus d'un hectare,
parcelle considérable, dans un pays cadastralement morcelé à l'extrême, auquel je me réfère comme à une sorte d'étalon du monde, n'a pas toujours eu la physionomie qu'on lui connaît aujourd'hui. En lieu et place de ce vaste espace d'un seul tenant, cohabitaient à peu près 5 parcelles, délimitées par des haies. D'amples chênes en marquaient les entrées. Plantées 1 an sur 2 de céréales, on les moissonnait successivement, l'une donnant accès à l'autre. Chaleur, rats des champs et lapins égaux en toutes. C'était hier, mais ce ne peut plus être aujourd'hui. Même ici, on s'est modernisé. Même ici, les cultures et les techniques ont évolué, aussi les nécessités de la mise en valeur des terrains. On a donc remembré, enterré les haies, tombé les chênes, drainé les fonds de prés humides où jamais un rayon ne pointe. En un mot, très exactement, ce que décrit Astrophe au 3e acte d'Oncle Vania. Au cœur du champ creusois, l'essence du lopin russe saisie par Tchekhov envahit mes narines. Je ne suis pas certain que le paysage ait perdu à ces transformations. Les hommes qui travaillent la terre, eux, y ont gagné. La tâche est maintenant moins rude. Ce que je sais, en revanche, c'est que le monde est toujours là, avec ou sans moi. Je marche. Je me tiens à la lisière, monte, puis descends. Au-dessus de moi, ou le bleu, ou le gris, ou le noir du ciel d'où procèdent les choses. À ma gauche, les taillis, les bois, les fantômes des chemins fermés par l'oubli des hommes. À ma droite, l'étendue du champ, ses courbes, les pleins et les déliés de la végétation qui le recouvre. J'absorbe la permanence de ces signes disposés là par l'évolution infinie dans une immuabilité feinte. Je vais. Un peu d'herbe se froisse. Un merle s'engouffre dans un taillis. 40 et quelques années de patience pour commencer à entrevoir ce tout, à comprendre que nos présences n'ont de valeur que parce qu'elles interrogent celles du monde. En dehors et au-delà de ça, rien, rien d'autre que le grand pan de temps que je trimballe sur mon dos et les odeurs et les ardeurs. Le monde est là. On peut aller à la rencontre des fantômes. Rien ne bougera. Et puis, rentrer dans le tumulte des mots, mettre l'ordre des choses. Rester ce citoyen dont la vie tourbeuse, bien assez vive, ignore la grave nouvelle. Que le Popocatépetl existe, ou que l'Etna et ses écarlates décident. Emily Dickinson. Ce texte a été écrit par Mathieu en août 2004 pour la revue Transfuge. Du registre des bêtes. C'est un moment de la vie. Ce n'est pas toute la vie, parce qu'elle n'y suffirait pas, mais c'est un moment. Et après, on arrête parce qu'on sent que ça n'a pas de fin, qu'on y laissera peau et os si on s'attarde, qu'on finira étouffé, aveuglé, ou les deux, par ce petit réduit de désir insatiable auquel on est contraint. Alors on dégage, on s'arrache. L'arrachement vaut mieux que la déchirure. On va voir ailleurs. On n'est pas tous comme ça. Certains persistent. Pour certains, c'est toute la vie. On ne sait trop comment ils s'y prennent. On voit bien que ça ne leur fait pas le même effet, qu'ils ne coulent pas leur jour au bord de la dissolution. On est admiratif le plus souvent, pas envieux pour autant. On se dit qu'ils n'aiment que ça et que c'est bien ainsi.
Ça ne dure qu'un moment parce que les ressources que ça mobilise plongent leurs racines dans bien trop d'archaïsmes. Rien n'épuise comme l'archaïsme. Rien ne requiert comme lui, ne met en demeure et parfois ne condamne comme lui. Le temps que ça dure, on se rend à ses raisons, on ne discute rien, sans barguigner, on s'en remet aux forces sombres qui sourdent de nos ventres, gonflent poumons et sexes, creusent échines, plexus et reins, nous réduisent à un souffle, mais un souffle de feu que rien ne peut éteindre. On y va, on sort, on s'approche et on tourne. Franchit le portillon, passé l'entrée du quai, contourné les rochers, gravit la dune de sable ou garé la voiture à l'ombre d'un grand arbre, il ne sera question que d'affût et d'arrêt, de patience et d'odeur, de prise, de meute, de trac, et d'animaux blessés, de cruauté et de bonheur profond, entier, dévastateur. Il ne sera question que de chasse, de battue, de trophées et de pertes, de mythes, d'emblèmes, de traces. On est aux prises, aux aguets, aux arrêts. À tout moment, tout est en jeu, commence, s'achève, tout est perdu, s'efface, s'envole, tout est gagné, car l'attention, enfin, a trouvé son repos dans un pli de bois sombre. Mais en partant, quittant, délaissant le terrain, on sait que rien n'est joué, rien n'est gagné, jamais, que l'enjeu n'est pas là, mais qu'on va s'arrêter, parce que c'est épuisant. J'ai tenu une petite décennie, les années 80 du siècle dernier. Je date, parce que dater prend toujours son sens, à un moment ou à un autre. Une petite décennie. Et puis j'ai arrêté, non parce que le corps a fléchi et les goûts ont changé, le fléchissement entraînant du reste peut-être le changement, peu importe, j'ai arrêté. Les quais, la ville, la nuit, canaux et fleuves, pavés, humidité, verdure parfois mais plus souvent goudron, portillons à franchir, escaliers à descendre, buissons où s'enfoncer, chair promise, chair due. Parfois, quelques chantiers, palissades ajourées, béton brut, ciment frais, espaces clos et sonores à peine sortis des coffrages, fer tordu jaillissant du sol, des murs, des coins, humidité encore, et chair promise toujours. Jamais de pleine nature, presque jamais. Trop d'espace à emplir, de lumière à prévoir, d'indétermination des frontières de mon corps. Jamais de pleine nature, sauf en ce jour de juin à Alberoni, Lido di Venezia. Et puis, j'ai arrêté. On va chasser. Le registre est celui de la bête. Le registre des choses que l'on s'apprête à faire. Le registre des mots employés pour les dire son registre de bête. Et c'est ce qui dégoûte toujours et avant tout les bien-pensants honnêtes, les bien-pensants retors, les ennemis déclarés. Ce registre de bête auquel on a recours, qui dit mieux que personne d'où nous nous extrayons, où nous retournerons, désigne ce à quoi on se livre entre-temps, de la prédation pure, quel que soit le tissu que nous jetons dessus pour nous voiler la face. Or, ce qu'il s'agit de vaincre, c'est la bête, toujours, depuis toujours et pour toujours. Mais, comme rien n'est gagné, jamais, il faut recommencer encore. La bête, en soi, bien sûr, est bien plus difficile à atteindre que l'autre, la bête hors de soi, à l'occasion immonde. Ceux qui ont pactisé avec la bête en eux l'écoutent et font la part de ce qu'ils lui concèdent, sont bien souvent la proie de ceux-là qui ne voient d'autres bêtes qu'hors d'eux-mêmes et s'en font les chasseurs. Mais tout, toujours
et réversible. Ce qui compte, c'est franchir le premier interdit qu'on sait soi-même poser plus souvent qu'on ne pense. L'usage banal, impensé ou presque, qui réserve la nature à la fornication des bêtes et la chambre à celle des hommes, doit être contourné, subverti. Non par perversité ou par dépravation innée, simplement parce que de très longtemps d'histoire nous ont façonné tel que nous n'avons pas eu d'autre lieu que le bois, la tanière ou le porche pour consommer cela qui nous agite tant, tous, autant que nous sommes, les bien-pensants compris. Ce besoin récurrent de se ficher en l'autre, de le ficher en nous, quelle que soit la manière, le lieu et le moment. Alors, pendant des siècles, nous avons fait cela. Nous nous sommes désirés, aimés, pris et dépris dans les coins les plus sombres qui s'offraient à nos corps, dans des replis herbeux, le dos à des écorces, le ventre tout incrusté de feuilles, parfois de sable. Nous avons pris le pli. Fini par rechercher pour en goûter les charmes, ces endroits désignés par la relégation. Persister dans nos goûts, affirmer nos envies. Nous tous, non, c'est certain parce que c'est épuisant, mais certains d'entre nous, héritiers affranchis d'une lignée proscrite. Maintenant que l'étau s'est un peu desserré, nous pressentons parfois ce qui se joue pour nous encore dans ces lieux-là et qui est très ancien, qui est très archaïque, fait frissonner souvent et distille à nos sens l'âcre parfum musqué de mythes entêtants. Tout nous pousse pourtant à oublier les mythes, à moquer les emblèmes, à effacer les traces. Le siècle précédent, ici, s'est terminé pour nous dans le repli. La maladie fameuse a bien failli alors, mieux que les bien-pensants hostiles, acrimonieux, avoir raison de nous. En nous privant de force, elle a vidé les lieux où nous nous retrouvions à la tombée du jour pour nous étreindre et jouir, sans songer un instant à la dépense en sueur, à la dépense en foutre, à la mort souveraine, souriante, indestructible, qui attendait son heure, un fin sourire aux lèvres. Nous avons eu besoin de nous protéger, tous. Nous avons eu besoin de trouver des abris. Et nous avons donné licence au dieu commerce qui nous a accueillis, choyés, délivrés de nos peurs contre rétribution. Fatigués, consentants, nous avons envahi les backrooms, les saunas, les dance floors et les caves, sans bien voir le détail de la contrepartie. Payez donc pour baiser entre vous dans des lieux prévus à cet effet, et pendant ce temps-là, nous fermerons les squares à la tombée du jour, aménagerons les quais, inonderons de lumière les recoins de la ville où vous vous faufilez, enverrons la police pour aiguiser vos nerfs, prendrons des arrêtés, patrouilleront, protégeront les enfants et les faibles des tentations mielleuses dont vous leur suggérez l'existence clandestine. À défaut de pouvoir vous interdire tout court. Fatigués, consentants, nous n'avons pas bien vu qu'ainsi, nous nous privions du contact essentiel avec nos peurs premières, et que ça changerait tout. Car ce que nous allions chercher dans ces lieux-là, jardins des bords de fleuves, quais humides et glissants, bâtiments déglingués, parkings désaffectés, rochers aux pointes tranchantes dévalant vers la mer, dunes sans chemin d'accès, bois tapissés de ronces. C'est la peur, la nôtre et celle de l'autre, et l'instant où cette peur se déplie en instinct, se déploie en plaisir, l'instant inestimable, sans cesse de nouveau recherché et atteint ou prendre le dessus, sur nous, sur l'autre, sur nos désirs sans fin. Le dessus, sur les lieux, enfin, qui nous accueillent,
qui nous inquiétait tant quand nous sommes arrivés. Car on ne s'avance pas au-devant de ses peurs sans une hésitation, sans un certain courage, d'autant qu'elles confinent parfois à la terreur et qu'elles ont partie liée toujours avec l'enfance. La peur, ici, est celle du loup. Mais chacun sait combien tous les chaperons rouges que l'on porte avec soi désirent ardemment tomber dans ses filets pour qu'annulant la peur, il nous possède enfin. Alors, on entre, on franchit les lisières, portillons, parapets, palissades, et dans le clair-obscur, à petits pas comptés ou à grandes enjambées, on avance et on cherche le loup qui nous attend. La chasse a commencé. L'émotion nous étreint, car, aussitôt, on sent qu'on est tout aussi bien la proie, le prédateur, que là s'ouvre infini un champ de liberté, qu'on en paiera le prix à nul autre que nous-mêmes. 10 ans, et puis j'ai arrêté. Mais ce que j'ai appris de plus brûlant, ce que j'ai vu de plus beau, de plus cruel, de plus joyeux, de plus précis, ajustant, éclairant, des hommes, de leurs désirs, de leurs besoins, tactiques, apprêts, replis, accomplissements, c'est là que je l'ai vu, appris, fait mien pour à mon tour prendre et donner mesure de ce qui m'agitait et gisait là sans nom, à l'abri des silences et des inhibitions. 10 ans de liberté dans des lieux détournés de leur fonction première, des lieux à inventer, des lieux à habiter ou s'éprouver dans l'attention très pure de la quête de celui, voire de ceux avec qui, dans le silence des murs, dans le bruissement des corps, dans le murmure des bois, apaiser la tension sans se payer jamais du moindre mot. De ces 10 ans m'est resté le très précieux savoir que le surgissement d'un objet de désir est toujours possible en tout temps, en tout lieu, et avec lui la possibilité de son accomplissement immédiat. Qu'il suffit d'un tronc d'arbre, d'un porche, d'un parking, d'une palissade, surtout de ne pas croire que l'on n'a rien à voir avec les animaux, qu'on est au-dessus de ça, et que l'on déchoirait à s'offrir sans un mot à l'inconnu parfait qu'on a traqué 2 heures, ou croisé par hasard, parce qu'il faisait beau, parce que l'air était doux, parce qu'il a souri, parce qu'on a su d'instinct lire comme en filigrane sur le visage rieur, mais encore hésitant, l'épais désir tendu, cherchant à s'épancher. Sa tendresse et l'accord qu'on trouverait d'emblée dans le creux de son cou. On va chasser. On chasse. Le gibier n'est pas rare, même s'il sait se cacher et choisir son chasseur. L'affût est parfois long et se mue en arrêt, mais on est dans des lieux qui abolissent le temps et une traque patiente peut occuper la nuit. Les dunes, les bois, les rues, les parkings ou les caves se muent en labyrinthe que 100 fois on parcourt, repassant sur ses traces jusqu'au point où surgit, parfois d'entre nos jambes, la bête inattendue, nerveuse, tendue, offerte, sur laquelle refermer une main d'ogre large. À moins que ce soir-là, sur nos reins frémissants, s'abatte la griffe du loup, muant en ravissement et bientôt en extase la crainte qui jusque-là nous tenait en haleine. C'est là qu'on finira de toute façon à l'une ou l'autre place. C'est dans le labyrinthe force car dans le labyrinthe force gaillard s'égaye. Leurs circulations denses ne sont pas hasardeuses. À les suivre de l'œil, quand on est à l'arrêt, on reste fasciné par les dessins qu'elles forment, les intentions qu'elles couvent, les besoins qu'elles dévoilent. Tout, à tout moment, peut advenir. C'est entre autres pour ça que c'est si épuisant.
C'est entre autres pour ça qu'on ne tient pas longtemps à ces petits jeux-là. Parfois, des groupes se forment, on pense plutôt des grappes, pour ne pas dire des meutes, du registre des bêtes, du registre des peurs, des plis et des sursauts sont nos amours nocturnes, labyrinthiques, boisées, passagères et limpides, vitales et combatives, ces blasons que l'on porte comme des emblèmes blessés, mais que l'on porte haut jusqu'au sommet des mythes, que l'on porte en ces lieux où le loup à la nuit ressemble au minotaure, où nous n'avons rien d'autre pour mener le combat que nos corps aguerris, parfois longtemps après, les mots pourront former le récit foisonnant et ces odeurs de soie que l'on dirait poivrées. Il se forme des meutes autour du gibier doux qui saisit au collet, offre sa peau, ses muscles, sa cambrure et ses reins au chasseur qui l'a pris. Attiré par l'odeur, par l'instinct, par la nécessité, par le besoin de voir, par l'envie de toucher, de trouver place à table pour le festin de chair, on s'attroupe autour d'eux qui jouent la partie belle, se dénudent et bien vite vaquent à leur désir. On s'attroupe car parfois il arrive que la bête, celle qui est attrapée, en qui l'autre fourrage, déjà hâtivement se montre disposée à être le gibier, soyeux et consentant, des attroupés tendus, nerveux et frémissants. Et c'est alors la table parée des jours de fête, la vaisselle rutilante, les mets et les vins doux, pour chacun une place, pour chacun un festin, un membre de la bête dont se repaître enfin, pour chacun une extase, la plus vaste de toutes pour celui qui a su, se glissant au collet, faire croire à sa capture, alors qu'il appelait de ses voeux sur sa peau le foutre des chasseurs. Bête sacrificielle d'un bref instant de joie que les attroupés quittent comme ils l'ont entouré, retournant à leur piste, leur dédale, leur tension, il ne lui reste plus sommairement essuyé qu'à reprendre l'élan d'une prochaine traque. Il faut quitter Venise, laisser à San Marco le registre esthétique, pictural, indicible, de la beauté passée, mais toujours agissante, et glisser sur les eaux, atteindre le Lido. Et de là, prendre un bus qui n'est plus touristique, laisser derrière soi les guides et les attentes, le savoir, la beauté ordonnée en colonnes, en façades et en courbes, se laisser envahir au fil du long trajet qui dévale le Lido jusqu'à Malamocco, par le désir tapis qu'ont éveillé en douce la beauté de la ville, des garçons qui la peuplent et ceux de la peinture qui parviennent à convaincre que la beauté demeure. Ne pas rater l'arrêt. Descendre de l'autobus dans la chaleur épaisse et trouver, à l'instinct, les dunes où ça se passe. L'instinct ne trompe pas. Il cueille au creux du ventre. Dans le repli des dunes, les hommes sont bientôt là. On ne s'est pas trompé. On respire, on s'étend, on laisse reposer au fond de son esprit les splendeurs que l'on quitte pour faire place à ces autres qu'on devine sous les pins, dans les joncs, dans le sable, qu'on va suivre à la trace, renifler, mordre, étreindre et laisser, pantelant et ravi, les corps collant de sueur, le souffle retourné, les corps comme des lettres inscrites dans le sol, pour un instant encore, en pleine communion avec le monde physique, arbres, pierres, mer et vent. Pour un instant encore, avant de regagner les limites civiles de nos identités, la ville au loin, là-bas, et ses siècles d'histoire, nos millénaires à nous, engravés sur nos peaux, pour un instant encore, il avait 25 ans, il était très visant. Pour un instant encore, j'en avais 3 de plus. Je venais de Paris, c'était Alberoni, Lido di Venezia. Ça a duré 10 ans. Après, j'ai arrêté parce que c'était épuisant. Après, j'ai raconté. Raconter prend du temps. Le temps qu'il faut pour lire
dans nos propres entrailles. L'historien italien Carlo Ginzburg, auquel j'ai emprunté ici les trois termes pivots formant chez lui titre d'un recueil de textes d'époques diverses, mythes, emblèmes, traces, Verdier Poche 2010, écrit dans l'un de ses textes intitulé justement « Traces », ce qui caractérise ce savoir relatif à la chasse, c'est la capacité de remonter à partir de faits expérimentaux apparemment négligeables à une réalité complexe qui n'est pas directement expérimentable. On peut ajouter que ces faits sont toujours disposés par l'observateur de manière à donner lieu à une séquence narrative dont la formulation la plus simple pourrait être « Quelqu'un est passé par là ». Peut-être l'idée même de narration est-elle née pour la première fois dans une société de chasseurs de l'expérience du déchiffrement des traces. Ginzburg prend soin de préciser que son hypothèse est indémontrable, comme reste indémontrable la certitude acquise au long de ces 10 ans d'affût, de guet, de chasse et de désir solaire, qu'entre désir et texte circule un flux nerveux, tendu, opaque et dense, animant d'un tenant et le désir d'amour et le désir de dire. Vous pouvez retrouver ce texte dans ce magnifique livre qui s'appelle « Les chemins égarés » aux éditions du Bec en l'air et dont les photos sont d'Émilie Landry. Comédie de Clermont. Le pouvoir de la littérature en matière de nudité est infini. Elle peut s'en saisir dans à peu près toutes ses occurrences, s'en mêler, la donner à voir, la suggérer. Elle n'est pas contrainte par les limites qu'impose par définition l'image, laquelle, on le sait, montre tout ce qu'elle saisit, mais rien d'autre que ce qu'elle saisit. Elle n'a pas à travailler directement la matière palpitante, tiède, vivante, comme le fait la danse ou le théâtre, et ne peut pas non plus induire un trouble égal à celui que provoque la nudité de l'autre posée sur un plateau qui m'oblige à traiter avec le voyeur qui est en moi. Mais un pouvoir infini crée des obligations infinies. Décrire le corps nu, ou indiquer de biais qu'il l'est, et dire à quelle fin il l'est, et à quoi il se livre, ou à quoi on le livre, est un exercice risqué, surtout si on a décidé d'en faire l'éloge, de le célébrer et non de le dénigrer ou, pire, le ridiculiser. Car il faut dire qu'en réalité, pour la plume comme pour le regard, le corps nu n'est jamais assez nu, ce qui explique notre inextinguible fascination pour la nudité. Le but serait d'entrer dans le corps, de dépasser la nudité de la peau pour atteindre celle de l'organe. Souvent, on s'arrête au seuil de cette opération. J'ai, une fois, parlé du corps nu malade, du pouvoir de la nudité du corps nu sain sur le corps nu malade. Je pourrais aussi parler du corps nu mort. Mais la plupart du temps, c'est à l'écriture du sous-titre le plus immédiat de la nudité que je me livre, celle de l'activité sexuelle et plus précisément homosexuelle. C'est ce qu'on appelle la pornographie. Un terme qui m'est cher, comme celui de chorégraphie, pour l'écho étymologique qu'il fait à l'écriture, pour sa très fine et très ancienne imbrication au cœur de l'aventure humaine. La nudité commence par une promesse, c'est-à-dire par l'habit. Elle finit comme un manque, le constat que le corps que je voulais voir nu, que j'ai vu petit à petit se dénider,
ou qui a surgi soudain, déjà nu devant moi, que je vois nu donc, n'est pas et ne sera jamais assez nu. Ce qui se joue entre les deux est pour moi une affaire d'écriture. L'habit est une écriture. La promesse du corps sous l'habit est une écriture. Ce que l'habit donne à voir du corps, qu'il ne recouvre pas tout à fait, et parfois savamment pas tout à fait, est une écriture. Le corps sous l'habit, évidemment, est une écriture. De même, le corps apparaissant en est une. Le corps se mouvant et le corps s'émouvant. Je tâche de mettre au service du corps nu, aimant, baisant, jouissant, les moyens les plus hauts qui soient à ma disposition. Ce faisant, je recours rarement au vocabulaire cru qui pourrait constituer une sorte de pendant à l'effet de profond décalage, de léger trouble que produit le corps nu vivant quand il se présente là où on ne l'attend pas. Je ne crois pas pour autant laisser grand-chose dans l'ombre. Dieter est le deuxième corps allemand sur lequel j'ai posé la main, guidé par Andreas. Nous avons trouvé Dieter dans une cabine modestement éclairée d'un sex-club de Prenzlauer Berg. Il était à peine minuit, personne n'était ivre. Il était agenouillé dans un coin, dos au mur, tête baissée, à peine vêtu. Il émanait de sa pose et de la faible lumière qui éclairait la scène quelque chose de pictural, terriblement abandonné et puissamment désirable. Nous nous sommes regardés, Andreas et moi, arrêtés devant la porte de la cabine. Dieter a levé la tête, nous a fait signe d'entrer. J'ai refermé derrière nous et la cérémonie a commencé. À ma gauche, Andreas, plus bourreau de Saint-Jean-Baptiste que jamais dans cette pénombre, ramassé, soudain assombri, concentré. Devant nous, déjà à genoux, donc tête penchée, baissée, joignant ses deux mains dans son dos, comme si nous allions l'attacher, Dieter. Cheveux mi-longs, légère barbe blonde, tenait pour le visage du Saint-Jean de la mise au tombeau qui est au Vatican, et pour le corps du Christ du couronnement d'épines qui est à Vienne. Pour la cérémonie, qui allait davantage tenir de la flagellation, la modestie du lieu, son exiguïté, son extrême fonctionnalité étaient, elles aussi, cohérentes avec le prosaïsme sacré du Caravage. Nous offrîmes pour commencer à Dieter de quoi étancher sa soif, apparemment brûlante, de sexe, auquel il se désaltéra longuement. Puis il ôta ce qui lui restait de vêtements, regagna l'angle de la cabine où il se tenait au commencement et nous demanda de lui interdire de nous toucher, y compris par la force. Andreas traduisit, j'avais à peu près compris. Alors débuta le curieux manège de Dieter qui, toujours à genoux et main derrière le dos, tentait en se contorsionnant de revenir puiser aux sources de nos corps qui frôlaient son visage et s'envoyaient interdire l'accès par un refus très sec, jailli des lèvres d'Andreas, par un geste très sec aussi, par lequel, faute de lui formuler oralement mon refus, je replaçais sa tête au coin de la cabine. Entrer dans la cérémonie n'avait pas été difficile, la servir ne l'était pas non plus. Il me fallait seulement veiller à ne pas me laisser entraîner par des pensées trop vives. Car insensiblement, comme une énergie qui se libère, le jeu se tendit, la tension monta et chacun d'entre nous ne fut plus attentif à rien d'autre qu'aux autres, à la cadence aiguë qui déchirait nos reins, à la logique interne des mécaniques denses auxquelles nous confrontait jusqu'au point de bascule où la pensée s'efface. Le « noli me tangere » que Dieter voulait qu'on lui opposât fermement était un préambule. Andreas prit bientôt les devants.
J'étais son officiant, ne parlant pas la langue. Il quitta son t-shirt, entrava les mains de Dieter derrière son dos pour de bon, l'empoigna par la nuque et l'incita à parcourir soigneusement et docilement quelques fragments de mon corps mis gracieusement à sa disposition. À la moindre hésitation de Dieter, Andreas tirait sa tête en arrière, se penchait pour le gifler, l'embrasser à pleine bouche et lui offrait encore mon corps à parcourir. Puis on changea. Placé derrière Dieter, je le mis au travail sur la queue d'Andreas et elle seule, en jouant longuement, durement de ses deux seins tendus. Puis, Andreas quitta sa bouche, je replaçai Dieter dans son coin, à genoux, avec interdiction d'en bouger, formelle et aussitôt traduite, et, dans le coin opposé, rejoignit Andreas, qui m'enlaça longtemps comme si nous étions seuls. Lorsque nous nous tournâmes de nouveau vers Dieter, il était à point et, quasiment à terre, suppliait Andreas qu'on voulût bien le foutre sur le champ, l'un en cul, l'autre en bouche. Andreas ne traduisit même pas. Du pied droit, il plaqua Dieter au sol et m'invita enfin à donner au corps pâle étendu devant nous, frémissant et ouvert, de larges claques tendres et sonores et solides qu'il accueillit en gémissant doucement, animal palpitant, soyeux et bouleversant. Après quoi, on verrait à accéder à sa demande. J'ai donc battu Dieter sous les yeux d'Andreas et j'ai beaucoup aimé cela. L'attente brûlante de l'un, l'attention complice de l'autre, et entre les deux, moi, cet usage de ma force très neuf et très aisé. Dieter était si beau dans le plaisir intense où il était plongé, Andreas si patient, et moi si appliqué, qu'on nous aurait donné bon Dieu sans confession. Encore un mot et j'en aurai fini. Ceux d'une illustre devancière, Violette Leduc, qui écrivit à la fin des années 50 ces quelques phrases inouïes, de plein pied avec la nudité du corps, avec la nudité de l'âme. Pas une question. Le regard. Son extase, plus doux que bandé. Son regard, du sperme, malgré lui, malgré moi. Ce texte a été écrit par Mathieu pour le Potlatch de la Comédie de Clermont le 24 février 2014. Et ce texte a été dit par Mathieu à la Comédie de Clermont. Vous aurez reconnu Dieter et Andreas dans les œuvres de miséricorde. Pour terminer, je vais vous lire trois pages du tout dernier texte de Mathieu, qui sera normalement publié l'année prochaine aux éditions Verdier, qui s'appelle « Les portes de Thèbes », que Mathieu a terminé en août l'année dernière, et lorsque j'ai pris connaissance de ce texte, avec énormément de difficultés, je lui ai interdit de donner ce texte à Verdier parce que, à ce moment-là, j'étais incapable de voir autre chose que sa mort écrite, dans ses pages, et ça m'était tout à fait insupportable. Il l'a parfaitement entendu. Une semaine après l'enterrement de Mathieu, j'ai repris le texte. Bien évidemment, une des options que moi je n'avais pas choisie en avait levé beaucoup d'autres. J'ai pu le lire différemment. Mais est apparu, m'a sauté à la gueule l'incroyable beauté et force de ce texte dont je vous lis les trois premières pages.
Le 16 novembre 2001, mon père, franchissant les grilles de l'hôpital où un diagnostic de cancer pronostic 2 ans venait de lui être posé, me dit « Aujourd'hui, ton grand-père aurait eu 100 ans et ta grand-mère est morte depuis 50 ans. Tous deux emportés aussi par un cancer, gorge pour le premier, généralisé pour la seconde. Où avait-il bien pu commencer? Je n'en sais rien. » Pour mon père, ça finirait généralisé aussi, et je ne me rappelle plus où ça avait commencé. Le 16 septembre 2001, donc, nous étions là sur ce trottoir. Il faisait une chaleur de bête, et nous dressions de conserve la cartographie en araignée de cette pathologie qui nous prenait filialement en tenaille, puisque 5 ans avant, j'avais eu moi aussi droit à la chose. Dans le sang, plus abstrait, un rien plus chic ou moins trivial, comme on voudra. Et qu'il me restait 15 ans avant d'avoir droit au second, le foie, cette fois, plus mythologique que chic, prométhéen, enchaîné à l'œil d'aigle, absurde, agissant. Si je me fie à cette chronologie familiale pathologique, à ces intervalles désordonnés, ces sautes d'humeur et ces fausses logiques apparentes, je devrais aller mon train une petite vingtaine d'années encore. Considérant qu'on meurt chez nous, côté masculin, entre 75 et 80 ans, ou beaucoup moins, considérant que de père en fils, on meurt tous les 20 ans environ. Raisonnement qui me laisserait donc 7 ou 8 ans. Les chronologies, on le sait, sont des fictions. Il faut s'y fier sans s'y fier, mais de quelque côté que je prenne le vol de l'aigle à l'aplomb de mes yeux, quand je suis étendu, dit sans embâge le rebours du décompte. Le monde depuis 2001 a singulièrement changé, mais la brutalité qu'il met en œuvre pour se rappeler à notre bon souvenir, frapper à nos portes ou nous fendre les os, ne varie guère. Le diagnostic de mon père lui a été livré 5 jours après l'attentat du World Trade Center, le mien 3 jours après qu'une brochette de 7 marioles a laissé 137 cadavres sur le sol de Paris, dont les leurs, le 13 novembre 2015. Et j'entame ce travail à quelques jours du déclenchement, en octobre 16, de la bataille de Mossoul par l'armée irakienne, le gouvernement régional du Kurdistan et une poignée de milices chiites, sunnites et chrétiennes, bel exemple d'œcuménisme, contre les hommes de Daesh aux commandes de la ville depuis juin 14. Car nous sommes dans un tas d'attentats et de violences, de respirations courtes, des bêtudes transitoires de confusion profuse, un temps de crépuscule, car nous sommes dans des villes hantées par des fantômes, hantées par des mendiants, et quand les uns nous parlent, nous entendons les autres, nous tendons des aumônes, nous ramassons des balles, nous allons et venons, traînant des corps lassés. La question de la mort nous cerne en mains endroits, et nous ne savons trop où poser nos fardeaux. Ces gars-là, les marioles sont des fantômes, dit-on, des fantômes déjà morts, avantage décisif. Leur mort effective à nos yeux est venue les saisir à l'heure où ils portaient la main à leur ceinture, d'un geste machinal, d'un geste de fantôme mort depuis quelques heures, quelques jours, quelques mois. Ils se savaient tous morts, nous les pensions vivants. Quand ils étaient vivants, à leurs yeux, aux nôtres, ils présentaient des allures de fantômes, nous ne les voyions pas. Pourtant, déjà tendus et souples, souvent splendides, à leur ceinture, déjà, ils portaient leurs doigts fins, en ajustaient la boucle et parfois effleuraient, s'attardaient un peu sous la ceinture. Comme s'ils voulaient sortir ce qui était caché, pour que le monde sache ce qu'ils étaient vraiment. Mais la ceinture tenait lieu de rempart solide, et cette tentation inavouable et si douce, de rempart solide à cette tentation
inavouable et si douce. Et nous ne voyions pas. Quand à leurs propres yeux ils se sont fait fantômes, soudain nous avons vu, compris que ces ceintures ont serré notre mort, et dans le feu brutal de leur déflagration, nous avons vu aussi se lever nos squelettes, et qu'en la destruction, nous serions soudain frères, tout cela nous troubla. L'aigle planant sur moi, je ne le voyais pas. À peine si j'entendais un faible cri d'oiseau au-dessus de ma tête, mais je savais déjà mon corps ouvert et pâle depuis janvier d'avant, celui de 2015, ouvert de part en part et traversé d'élan, de peines et de colères, traversé par les foules que nous avons formées au long de ce mois-là, janvier de 2015, et traversé aussi de corps assassinés comme de corps assassins. Et cela me troublait. Je n'avais pas souvenir d'avoir été ainsi requis par de l'histoire autrement qu'en pensée, par la poignée de temps qui m'était impartie. Je n'avais rien trouvé de semblable avant ça.